Yo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Firefox, donc la chaîne YouTube de Blabla Linux, onglet et vidéo. Ça ressemble vraiment à la vidéo précédente. Et là, je vais pas faire une recherche avec Vivaldi, mais avec Edge. Et on peut voir qu'il y a un an de cela, j'ai réalisé une installation. Comment installe-t-on le navigateur Edge Chromium? Hein, ma réponse à la personne. Et j'avais montré comment installer ce navigateur Edge. D'ailleurs, Adrien a fait une vidéo il y a moins d'une semaine hein, sur comment installer Edge et surtout recevoir les mises à jour. Et je me suis dit, tiens, comme Vivaldi, je ferais bien un petit script pour pouvoir installer Edge proprement. De toute façon, les commandes, je ne les sors pas de mon chapeau. Tout est sur le site officiel. Et Microsoft, ils disent comment bien installer Edge. Tout comme Vivaldi, ils expliquent comment bien installer Vivaldi. OK? Voilà, donc sur GitHub, You Repositories Edge Browser. Regardez, je vais copier le lien ici. Comme pour la vidéo précédente, donc ici Linux Mint 21. Hein. Ok. Instance terminal. On va faire un rafraîchissement des dépôts. Sudo apt update. Mais je ne vais pas appliquer les mises à jour. Parce qu'il y a pas mal de paquets à mettre à jour. Et ça ne sert pas pour le bon fonctionnement de cette vidéo. Voilà. Donc je ensuite on va installer git sudo apt install git. On va faire un git clone. Git clone. Donc je colle le lien que j'ai copié précédemment. Le lien GitHub. Voilà, j'ai fait un petit ls, j'ai un nouveau répertoire qui se nomme Edge Browser et non plus Vivaldi Browser. CD Edge Browser, donc je rentre dans le répertoire, je liste, on peut voir mon script.sh qui n'est pas exécutable. Je vais le rendre exécutable avec la commande chmod plus x. Le script est maintenant exécutable, donc je fais un sudo .slash, j'appelle mon script et on laisse faire. Et là, on va se retrouver avec un navigateur Edge installé donc sur notre système du Linux installé et on va recevoir les mises à jour parce que vous allez voir que les dépôts Microsoft concernant le navigateur Edge sont bien ajoutés et que les clés d'authentification sont bien là. C'est génial hein? Alors encore une fois certains vont dire ça sert à rien. Ça sert à rien de faire un script pour ça, il n'y a jamais que 3-4 commandes, mais d'autres par contre me diront ouais, c'est génial. Donc ça vous plaît, vous prenez, ça vous plaît pas, bah vous dégagez, enfin voilà, vous allez voir rien quoi, ok. Ah, sur YouTube, il y a des cocos, hein, parfois, donc faut pas se laisser bouffer, hein, faut faire comme dit Jean-Marie Bigard. Ok. Donc là. Là, Internet. Microsoft Edge. Alors certains vont dire sacrilège, Microsoft Edge sur un système de Linux. Ah! Bah oui, on fait ce qu'on veut, hein. On fait ce qu'on veut. On utilise son système libre comme on le souhaite. Dans le libre, on vient chercher ce que l'on souhaite. On ne vient pas tous chercher la même chose. Et je remarque que dans mes vidéos, je fais, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on appelle ça? Comme quand on dit à la fin d'un film, il y a une. Ah, j'ai perdu le mot. Hein, celui qui le retrouve, il n'a qu'à me le dire. Voilà, prise en main. Ben, ça fonctionne. Hein. Continue, confirmer. Oh, c'est rien, je ferme. Voilà, je ferme, j'accepte. Voilà, découvrir. Suivant. 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 Oh, c'est bon hein, maintenant. Ok, allez, hop. Hop, voilà, il est opérationnel, fonctionnel. Et des commentaires à propos de Microsoft Edge. Voilà, vous avez accès aux paramètres et tout et tout et tout, et c'est génial. Alors, gestionnaire de mise à jour. Ah, c'est une machine virtuelle que je remets. Je reset toujours au niveau des instantanés, donc je dois toujours refaire la même chose. C'est emmerdant. Déjà, ça, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Mot de passe, donc on va recevoir une mise à jour pour le gestionnaire de mise à jour. Ah oh, ouais, si, je vous jure. Donc, le gestionnaire de mise à jour va redémarrer. Une fois qu'il aura été mis à jour. Voilà. Édition, source de logiciel.
Mot de passe. Dépôt supplémentaire. Microsoft. Dépôt stable. Ok. Et alors, clé d'authentification. Voilà, Microsoft. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. Ciao.